Bonjour. Alors voilà encore un joli point que je viens de terminer de tricoter. Moi je le trouve super beau et puis pratique pour tricoter des jolis pulls, des petites brassières, quelque chose dans le genre comme ça. Donc il se tricote sur 12 rangs et sur un nombre de mailles multiples de 8. Donc là, moi j'ai monté 32 mailles parce que j'ai fait 8 x 3, alors 8 mailles x 3, plus 6 mailles pour la symétrie. On rajoute 6 mailles à la fin de notre total et une maille lisière de chaque côté. Voilà. Bon, bah bon tuto. Alors, pour tricoter ce point, j'ai monté 32 mailles. Alors, 32 mailles parce que c'est un point qui se tricote sur un nombre multiple de 8 mailles. Donc j'ai fait 3 fois 8 mailles, ça fait 24. Il faut rajouter 6 mailles pour la symétrie, ça fait 30. 24 plus 6, 30. Plus une maille lisière de chaque côté. Donc pour le premier rang, donc là moi j'ai déjà, il se tricote sur 12 rangs, donc moi j'ai déjà tricoté 12 rangs. Donc on recommence depuis le début. Donc je fais une maille lisière et le premier rang, je le tricote toutes les mailles à l'envers. Voilà, jusqu'à la fin du rang, toutes les mailles à l'envers. Alors je termine le rang. Voilà. Donc le rendu, on fait une maille lisière, 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 à l'envers, 1, 2, on finit par 6 mailles à l'endroit pour la symétrie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis la maille lisière. Voilà, maintenant on va tricoter le rang 3. Alors le rang 3, on fait une maille lisière, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait glisser une maille à l'endroit, un jeté, on rabat la maille glissée sur les deux mailles. Puis on tricote 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glisser une maille à l'endroit, un jeté. On rabat la maille glissée sur les mailles.
6 mailles à l'endroit, à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté, on rabat la maille glissée, on finit par 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la maille lisière. Maintenant, le rang 4. Donc, une maille lisière, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles à l'envers, 1, 2, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles à l'envers. 1, 2. On finit par 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la maille lisière. Maintenant, on répète le rang 3. Donc, le rang 5, c'est comme le rang 3. Une maille lisière, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté. On rabat la maille glissée sur les deux mailles. 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté, on rabat la maille glissée, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté. On rabat la maille glissée. On finit par 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la maille lisière. Maintenant, le rang 6 qui se tricote comme le rang 4. Une maille lisière, 6 mailles à l'endroit, 5, 6, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3,
5, 6, 2 mailles à l'envers. Une, deux, six mailles à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux mailles à l'envers, une, deux, et on termine par six mailles à l'endroit, une, deux, 3, 4, 5, 6 et la maille lisière. Voilà. Maintenant, on va faire la quinconce de l'autre côté, les 6 rangs suivants. Alors, le rang 7. Donc, on va faire la maille lisière. Et toutes les mailles à l'envers sur tout le rang. Voilà, on se retrouve à la fin du rang parce que là c'est facile, c'est que des mailles à l'envers. Alors on finit le rang 7. Le rang 8, donc on commence par notre maille lisière, deux mailles à l'endroit, une, deux, deux mailles à l'envers, une, deux, six mailles à l'endroit, une, deux, 4, 5, 6, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 à l'envers, 1, 2, 6 à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On finit par 2 à l'envers. Deux à l'endroit et la maille lisière. Maintenant, le rang 9. Alors, une maille lisière, deux mailles à l'envers. On glisse une maille, on tricote une maille à l'endroit, on fait un jeté, on rabat la maille glissée. Et maintenant, six mailles à l'envers. Une, deux, 3, 4, 5, 6. On glisse une maille, on tricote une maille à l'endroit, un jeté, on rabat la maille glissée, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté. On rabat la maille glissée. 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille glissée. Une maille à l'endroit, un jeté, on rabat le jeté,
deux mailles à l'envers, une, deux, et la maille lisière. Maintenant, on passe au rang 10. Alors, une maille lisière, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, six à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux à l'envers, une, deux, six à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux à l'envers, six à l'endroit, une, deux, trois, 4, 5, 6, 2 à l'envers, 1, 2, on finit par 2 à l'endroit, puis la maille lisière. Maintenant le rang 11. Deux mailles à l'envers, une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté, on rabat la maille glissée, six mailles à l'envers, maintenant une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté, on rabat le glissé, six mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté, on rabat la maille glissée, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté, on rabat la maille glissée, on finit par deux mailles à l'envers, puis la maille lisière. Maintenant, on passe au rang 12. Donc, une maille lisière, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, six mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, six mailles à l'endroit, une, deux, trois, quatre, 5 et 6, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
On finit par deux mailles à l'endroit. La maille lisière. Et voilà, on a tricoté nos 12 rangs. Voilà. Donc, maintenant, on va répéter encore les mêmes 12 rangs. Toujours les mêmes 12 rangs. Et si on veut plus large, on rajoute 8 mailles, puisque c'est un nombre multiple de 8 mailles. On rajoute 6 mailles pour la symétrie, c'est tout. Bon, bah, bon tricot. Et à une prochaine fois.